الشعب يريد اسقاط النظام، الشعب يريد اسقاط النظام، الشعب يريد اعدام البشر. شوف بابا، شوف ويلو، انفام كريمينال دو ريجيم سيريان. Pourriez-vous exécuter nos enfants sans les torturer? Pourriez-vous tuer nos femmes et nos sœurs sans les violer? Pourriez-vous nous assassiner sans nous arracher les yeux, la gorge ou nous démembrer afin que nos mères puissent nous voir et nous embrasser une dernière fois avant de nous enterrer? Je souhaite maintenant passer la parole ici. Et le comité de soutien aux luttes populaires dans le monde arabe. Merci Annie d'être ici. La révolution syrienne, chers amis, chers camarades, est la plus longue, mais aussi la plus meurtrière. Elle a été portée par les couches sociales les plus démunies, par les 80% du peuple syrien qui vivent sous le seuil de pauvreté, et ils ne voulaient uniquement que l'amélioration de leurs conditions de vie. Et c'est la répression implacable qui a transformé qualitativement cette révolution pour devenir une révolution qui remet au centre la chute du régime syrien. Donc à celles et à ceux qui essayent de nous présenter cette révolution comme une guerre confessionnelle, que ce soit le gouvernement ou une partie de l'opposition vendue à la solde des régimes réactionnaires arabes, que le peuple syrien ne s'est même pas debout pour un conflit confessionnel, mais plutôt pour la liberté et la justice sociale, pour la liberté et la dignité nationale. Les internationalistes que nous sommes, sommes très conscients des enjeux géopolitiques, des conflits d'intérêts qui sont dans la région et qui concernent la question syrienne, les intérêts des régimes réactionnaires arabes et à leur tête le Qatar et l'Arabie Saoudite, les intérêts de l'État colonial d'Israël et des impérialismes occidentaux. Cela, nous sommes conscients de tous ces enjeux, mais ceci ne nous empêche pas, chers amis, chers camarades, d'être ici aujourd'hui côte à côte avec mon frère et le collectif Jasmin par rapport à leur position claire et ferme contre toute ingérence, contre toute intervention, qu'elle soit militaire ou politique. Et à celles et ceux qui sont en train de jouer le jeu aujourd'hui des impérialismes et des régimes réactionnaires arabes, nous disant que notre position, elle est claire et ferme. Notre position, c'est une question de principe pour nous. Nous savons très bien toutes ces tentatives de récupération, chers amis. Oui, il y a une machine de récupération, il y a l'argent sale qui coule à flot, il y a le pétrodollar, il y a même quelques armes salafistes. Mais nous savons très bien que le peuple syrien, comme le peuple tunisien d'ailleurs, comme le peuple égyptien d'ailleurs, comme le peuple libyen d'ailleurs, on n'est pas dupes, nous le savons, et on est là, et on ne va pas se faire avorter nos révolutions depuis la Tunisie jusqu'à la Syrie. Sois clair, on est en train de nous vendre toutes et tous le Conseil national, justement, de la révolution, qui sont en train, qu'avant-hier ils ont même demandé le bombardement. Heureusement qu'il y a des démissions de jour en jour, ils sont en train de faire tomber le masque autour. Il y a des structures révolutionnaires, on est en train d'entendre tous les jours, et je parle essentiellement de le comité de coordination nationale, qui sont en train de s'opposer clairement à toute ingérence, mais aussi qui appellent l'armée syrienne libre à servir. On a tous le droit à l'autodéfense. Le peuple syrien a droit à protéger ses manifs, à droit de défendre ses mouvements de désobéissance civile. Je salue l'ingéniosité créative, la créativité révolutionnaire du peuple syrien. Il est en train de créer des comités de quartier un peu partout, des comités de coordination, de gestion d'affaires un peu partout. Mais ni Al Jazeera, ni les médias occidentaux sont en train de nous parler de cela. Donc à eux, j'ai eu pensé essentiellement à cela, pour que l'armée syrienne libre soit, ne sert que les intérêts de la lutte pacifique du peuple syrien. Vive la lutte du peuple syrien, vive la solidarité internationale. Merci beaucoup. فقط أتحدث بصفتي فلسطينية. كنت قبل أسبوعين في فلسطين. Je vais la traduction au fur et à mesure, ce sera plus simple pour moi. Nul n'est censé ignorer, ce qui se passe aujourd'hui à Homs, à Daraa et dans toute la Syrie. Mais je viens aujourd'hui parler au nom de la Palestine et en tant que palestinienne. J'aime à nous tamer comme moi.
يعني أعرض وجهة نظر شعبي الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة بأن جميع الفلسطينيين اليوم يجمعون على دعم الثورة السورية. J'aimerais vous assurer ici que l'ensemble des Palestiniens sont aujourd'hui pour le combat du peuple syrien. من حوالي أسبوع أنا كان قدمت شهادتي مع أحد نشطاء السوريين في اليو إن ضد النظام السوري وضد انتهاكات حقوق الإنسان اللي عم تصير بالسجن. أول مرة اعتقلوني بآذار عذبونا بشكل فظيع فقط لأنه طلبنا إصلاحات في 10 آذار قبل بداية الثورة لأنه وزعنا مناشير طلاب جامعيين بحلب وزعنا مناشير طلبنا بالإصلاحات. La première fois que nous avons été arrêtés, c'est tout au début de la révolution. Nous avons arrêté simplement parce que nous demandions des réformes et que nous avons distribué des petits flyers à l'université à Alep en demandant simplement des réformes. Et je suis venu donc ici faire un témoignage auprès des Nations Unies. اعتقلوني بعدين مع مجموعة من الأصدقاء بآب وبأيلول فترات طويلة اعتقلوني 52 يوم عذبوني بالكهرباء مع أصدقائي وعذبونا بكثير طرق سيئة بالسجن شفنا أطفال معتقلين جايين من إدلب لسجون حلب شفنا رجال على جثتهم آثار طلق نار وما حدا عم بيعالجهم مرميين بالسجن. La seconde fois, la deuxième fois, mes camarades et moi avons été arrêtés en août et en septembre et nous avons subi une torture également terrible, cette fois-ci avec l'électricité, et nous avons vu beaucoup d'enfants arrivant d'Idlib torturés dans les prisons à Alep. أول شيء الشعب السوري واحد أكيد وهذا الشيء أنا لمسته من بداية الثورة كنت ناشطة بإدلب وبحما وبمناطق متدينة الناس بهاي المناطق متدينة جدا ولكن ما حدا أي أبدا عاملني أو عامل أي نشطاء تانيين إلا على أساس الشعب السوري واحد 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 الشعب السوري واحد. J'aimerais dire à quel point l'unité du peuple syrien est grande. واحد 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 الشعب السوري واحد 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 le peuple syrien est un. J'aimerais dire donc que j'ai été dans de nombreuses villes où des gens extrêmement croyants et donc qui sont très 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 religieux n'ont jamais montré une quelconque différence entre elles, entre moi la chrétienne et eux les musulmans ou les autres religions. L'unité syrienne est une chose indéniable en Syrie. اليوم النظام عمل تصرف كثير قبيح وكثير سيء صار يستعمله أكثر من مرة اليوم النظام استعمل ورقة استخدام الأقليات اليوم صار في تفجير كبير بالقصاع بدمشق وهي منطقة مسيحية راح الكثير من الشهداء المسيحيين أنا وكل مسيحي سوري ندين هذا العمل القبيح والنظام السوري هو اللي قتل أخوتنا المسيحيين اليوم بالقصاع وهي الأكاذيب كلها ما راح تمشي علينا مسيحيين سوريا جنب أخوتهم هن السوريين وعلى هاي الأرض نحن من آلاف السنين وكلياتنا شعب واحد والمسؤول عن تفجيرات اليوم بالمناطق المسيحية اللي راح فيها شهداء مسيحيين كثير هو النظام فقط. Nous les chrétiens de Syrie, nous sommes tués comme les autres, nous sommes torturés comme les autres, nous sommes emprisonnés comme les autres. Il n'y a aucune différence qui est faite entre nous et les musulmans. Aujourd'hui, ce qui s'est passé dans les quartiers chrétiens de Damas n'était que le fait du régime syrien et les martyrs chrétiens qui sont tombés ne sont tombés que par les mains du régime syrien. Les chrétiens et les musulmans, même combat en Syrie. بجنيف وبالصدفة عرفت بهاي المظاهرة من مظاهرة ناس جزائريين وانبسطت كثير شفت هون اخوة سوريين اللي داعمين للثورة وكثير لازم اكيد نكون ايد وحدة ونترفع عن كل الخلافات بين المعارضة هلا نكون ايد وحدة هدفنا واحد هو اسقاط نظام بشار الاسد صدقوني الشباب بالداخل ابدا ولا يوم من الايام اختلفنا ولا اختلافات لمصالح شخصية ولا اختلافات على اساسات عرقية او دينية دائما اخوتنا بإدلب هم ناس متدينين كثير وناس مرتبطين بعقيدتهم وايمانهم كثير كان دائما يقولوا لنا شيء بالمظاهرات يا مسيحي لا تحتار نحن اهلك مو بشار ويا مسيحي لا تحتار تسوي